Bon, de retour dans Song of the Deep. J'espère que c'est la fin, je sais pas. Mais je pense qu'on s'en rapproche dangereusement, donc on va voir. Continue. C'est bon, tout marche bien. Putain, mon PC hier. Ah, c'est pas normal. On va faire comme si il se passait rien. Allez, tu viens manger avec moi? Viens par là. Tu peux faire. Bien. Fâché. Hippocampe. A cluster of brilliant red marrow eggs shimmered like giant rubies. Une grappe d'œufs de mérien rouge brillant scintillait comme des rubis géants. Si le jardin aquatique pouvait être sauvé, les mériens pouvaient-ils survivre? Allez, cassez-vous! Cassez-vous, cassez-vous! Jardin sous-marin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais pourquoi mon PC il est en train de décéder? Ça c'est le début. Il est où l'ami? Ah, c'est allez. Pourquoi il n'y en a plus? Coucou.
Très bien. Ici, là, là. Putain, mais ramasse-la. Tu me suis? Ah là, préparez-vous. Allez, va chercher. Mais t'es con? Hey, tu mens? J'ai la baballe. Allez, viens. Reste avec moi. Casse-toi. Ah, j'ai plus de fleurs. Attends-moi. Une fleur, s'il vous plaît. Viens là. Ah oui, comment on fait? Putain, heureusement. Meryl était surprise de voir son sous-marin réparé et l'attendant. C'est vous qui avez fait cela? Demanda-t-elle à Bernard l'ermite. Et en l'espace d'un temps, elle crut qu'il rougissait sa carapace. Mais on peut pas faire du bis-bis? Voilà. C'est quoi ça? Modifier l'oscillateur de sonore pour réduire le temps de charge avant. Ouais, putain. J'ai toujours plus la carte. Putain. C'est pas possible que j'ai plus la carte. Tant que Meryl nageait en direction de Kara, elle fut prise d'un accès de panique. La sirène Marianne était mourante. Désespérant, Meryl lui demanda « Que puis-je faire? Comment puis-je l'aider ?» Kara parlait lentement d'une voix faible. « Répare-le, répare-le, et je te montrerai. » répondit-elle. Kara ferma les yeux, elle n'avait pas la force d'en dire davantage. Kara avait l'air très malade, mais Froufrou était là pour prendre soin d'elle. Il allait lui chercher des coquilles Saint-Jacques et la protéger contre des ennemis. Meryn savait que c'était en réparant l'hippocampe mécanique qu'elle pourrait apporter au mieux son aide. En fait, le jeu est encore trop long, ça se trouve. Mais par contre, je sais pas pourquoi j'ai plus la carte! C'est pas normal ça.
Si je mets clavier, carte, c'est table. Ok. Bon, voilà, ça marche. On va pas chipoter. Une série de visions traversèrent son esprit, chacune montrait un endroit différent dans le monde. Elle les marqua sur sa carte, se demandant ce qu'elle pourrait bien y trouver. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un sensi. Mamma mia! Allez. Enfin, moi je redémarre mon PC. Tant pis. On va finir la stream comme ça. Bon, la touche a changé, je vais pas chipoter, on s'en fout. Ah, c'est relou! Parce qu'il y a un... un point de save ou pas? Ah, ça y est, le bouton il s'est remis. On va dire que c'est peut-être de l'autre côté. Non, ouais, je suis un peu trop. Ça, je fais n'importe quoi. Et où?
Tu viens, mon père? Il est où? Moi, c'est bien ce que je me dis, putain, je suis trop loin de prendre ça. Je vais essayer. On va recommencer avec elle. She marked them on her map, wondering what she might find there. Est-ce qu'il y a un point de save là? Ouais, c'est un peu plus loin, bon, tant pis. Pourquoi tu bugs, l'ami? Je veux l'objet. Souris de mer.
Putain. Bon, sinon j'abandonne, c'est une dernière fois. Mais... Allez, regarde-moi. Allez, leur jeu, il est buggy. Eh ouais, il est buggy. Tiens, pour une fois que je fais un bon lancer, le canard, je veux pas. T'es où? Mais non. Vas-y, nique sa daronne, je m'en bats les couilles. Ryl était à la frontière des terres infranchissables connues sous le nom d'Ossuaire. La région était habitée par les faucheurs rouges, des calamars terrifiants et immortels. Le seul espoir de survie contre eux était de fuir. Ok. Genre j'arrive, je me fais one shot. Ok, c'est eux. The only hope for survival against them was to flee. Meryn was at the edge of the impassable land known as the Bone Vaults. The region was inhabited by the terrifying, deathless squids known as Red Reapers. The only hope for survival against them was to flee. Meryn was at the edge of the impassable land known as the Bone Vaults. The region was inhabited by the terrifying, deathless squids known as Red Reapers. The only hope for survival against them was to flee. Visite de permanent. Ah, il y a de l'eau, pas il croit.
c'est nul, ça aussi ça sert à rien. Alors qu'elle s'approchait de l'hippocampe mécanique détruit, Merin se demanda ce qu'il avait amené ici. Avait-il péri en protégeant les Mériens contre les faucheurs rouges? À peine qu'elle récupérait des pièces du coucou détruit, une horde de faucheurs rouges tombe. Pourra-t-elle s'échapper des ossuaires avant qu'ils la rattrapent? Ah, c'est bien passé. Ah, c'est bien passé. Mais non, mais... Arrête de me faire d'amour. Non. Putain. Putain, le turbo, il est jamais beau. Toujours rouge, toujours relou. Il me laisse tranquille ou pas? Super. Allez, bombarde, Bench. Bon, moi, je fais ça. Il y a un TP. TP. Ah, il y a pas, je crois. Il est où le téléporteur? Ah là, mais c'est de la merde.
Heureusement, il y a une faille. Putain, je dirais qu'il manque un endroit encore. Hein. J'espère pas. Donc on va à gauche. La belle baise. Allez, fonce. Vas-y, on s'en fout, je vais juste aller voir les objets des items. Ça, fallait le savoir. Capteur de faille. Ce qu'il est où? Fragment de coque. Mon clap là, je vois des sources qu'on a. Ok. Merci. Merci le jeu. Ah, j'ai trop peur.
C'est eux qui doivent donner un queue de rue, mais vas-y, s'il te plaît. Je vais pas me prendre la tête. Chut. Quel côté? C'est chiant que ce soit zoomé vénère comme ça, j'aime pas. Je trouve qu'on voit rien, tu peux rien anticiper. Pourquoi qu'on me donne ça? Dans un minuscule jardin, les activités de bateau navire se trouve le reste d'un hippocampe mécanique. Il avait dû construire et prendre soin de ce jardin jusqu'à ce que. Qu'ils finissent par cesser de fonctionner. Bien que Mérine fût incapable de le réparer, elle allait faire son mieux pour que ça soit le coup. Pas mal. Je sais pas, des bouts de feuilles qui traînent. Non. Petit bout de feuilles. Ouais, j'avoue que c'est sur la règle, je fume pendant le stream, mais il n'y a personne. Et je pense pas que les gens verront cette VOD. Sinon, je m'excuse, c'est pas bien de fumer. Tac, tac.
Le seul à peu près boss du jeu. Encore c'était du loser, c'était trop simple. Quoi là-bas? On va aller chercher l'objet. Ah oui, là j'ai les choses, c'est pas. C'est vrai. Ah merde. Je l'avais pas vu, enfin j'ai pas tilté. Putain, il va là, il va remettre leur truc relou. Ah. Mais non. Pourquoi tu t'accroches au sol? C'est totalement cool. Surtout que je vise en haut. Mais vous êtes cool. J'avais compris comment on fait pour les coffres. Je me pif. Je sais pas. Donc on passe en dessous, on va essayer de voir si on peut toucher l'objet. Putain mais ça s'éteint tout le temps. On fonce, voilà, petite save. Push off. Oh! Oh, no.
Et... Putain, en fait, c'est l'un des trois raccourcis. Hein. On va retourner au début parce que je crois, ouais, voilà. Ah, mais je peux pas. Ah. C'est de la caméra de merde. Hein. Putain, mais pas dedans. Vas-y, je vais me sacrifier, prendre la vie. Allez, putain, le manabis, c'est... Ah, franchement, il a des défauts, ce jeu. Mais vas-y, casse-toi, la caméra. Là, comment tu veux savoir quand elle va péter? Ouais, là, tout ce qu'il faut que je refasse, ce truc trop... Chut. Il est lâche, putain.
On se fait totalement chier, je confirme. Le boost qui est jamais opérationnel. Vas-y, descends là la boule, putain. Vas-y, mortreuse. Qu'est-ce qu'on s'amuse, c'est vrai que c'est intelligent de faire un jeu comme ça. Bam! Bam, putain. J'ai envie d'arrêter, t'as vu, ça me fait chier. Bam! Vas-y, je vais essayer en damage boost. Comme c'était pas assez chiant, ouais. Si on mettait une méduse invincible, question d'être bien relou. Alors, rien qu'à cause de cette phase-là, je serais capable de lui mettre une bienne si je devais mettre. Parce que ça, c'est nul, c'est pas du jeu, c'est de la merde. Sur rien que ça, c'est de la merde. Thank you.
Mais retourne pas dans le vortex. Mais va pas dedans! Oh, genre t'es obligé. Ouais, des fois les jeux ils deviennent chiants et là c'est ok. Là c'est vraiment de la merde. Ils mettent pas un point de save là. Mais... Ils se sont pas dit que ce serait intelligent de mettre. Putain, ouais, super la salle ici. Allez, on peut le tenter une fois. Ah bon, j'ai la plante, c'est une vous le faites. Vas-y, c'est tout bien. Faut ça, je secret, d'accord. Je joue trop mal. Le reste éparpillé d'un hippocampe mécanique proposé au sol, parmi les tiges de kelp luminescents qui se balançaient. Jadis, il y avait dû protéger cette forêt sous l'eau. La marine allait s'assurer qu'une partie de lui continuerait à vivre dans le jardin. Aquatique. Nice.
Vortex, Vortex. Il n'y a pas de Vortex. Allez, barre-toi. Voilà, et voilà, et encore, super le jeu. Même plus la gauche d'avancer le boss. Barrez-vous avec vos plans de mort. Oh, vas-y, niquez-vous. Un vortex petit. On va aller en bombarde.
Je monte. Pourquoi tu peux lâcher? Il fallait que je passe par le gouffre. Putain, mais t'es sérieux? Tu vas encore jouer le relou? Allez, hop. Va chez ma balle. Merci. Tu viens? Allez, hop. C'est moi que tu regardes. Petit le père. Il était où la faille? Donc la faille. Celle-là fait quand même. Même plus simple de passer par là. Je suis où?
Sortant ses outils, Mérine connecta les petits engrenages à ressort et, un à un, enfin, elle vit les yeux d'émeraude de l'hippocampe briller à nouveau. Encore un nouveau mouvement. Au-delà de la porte, Mérin eut le souffle coupé lorsqu'elle se retrouva face à un dragon de mer ancestral. Le gracieux géant l'examina. Ses yeux étaient plus vieux que les Mériens, plus vieux même que les faucheurs. Je veux aider, dit enfin Mérin. Je ferai tout ce que vous me demandez. Et à peine avait-elle prononcé ces mots qu'elle eut une vision. Elle vit comment les fourmis avaient jadis dompté une bête immense appelée le Rimrosa. C'était une créature féroce et intelligente dont les puissantes tentacules pouvaient tuer les plus grands léviathans de la mer. Le plus grand léviathan de la mer. Mais il se rebella contre les fourmis et les repoussa. Il ne resta que leur machine aujourd'hui, qui détruisait progressivement ce qui restait de la mer. Le redouté Rimrosa, toujours tourmenté par les chaînes des fourmis, vit désormais dans les abysses sous la cité interdite. Il chasse les vaisseaux humains à la surface, se venge de ceux qui l'ont emprisonné. Mérine tourne à nouveau les yeux vers le dragon de mer et lui redemanda : que puis-je faire ? Mais celui-ci répondit simplement : c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Mérine refusait de l'accepter, elle n'allait pas se contenter d'abandonner, mais si c'était trop tard, elle allait quand même essayer. Si le Rimrosa était connecté au sentinelle Fumori d'une manière ou d'une autre, et si le Rimrosa était... Et si le Rimrosa était la cause de la destruction de la mer? Si elle arrivait à vaincre cette terrible bête, cela contribuerait peut-être à sauver Karen. Si son père était encore là, pensa-t-elle, c'est ce qu'il ferait. Pas encore été dans la lumière abyssale. Non. Comment j'y vais? Est-ce qu'il y a une TP? Putain, j'en viens. Il y a un passage que j'ai pas ouvert apparemment. Merci. C'est un peu con ça si j'y vais sans vaisseau. Je fasse un peu. Ah putain, c'est pareil qu'il fallait. Attendez, parce que du coup, mais je vais aller là, mais il n'y a pas de TP là.
Ah, je vais aller à la main. Ça, c'est exactement le chemin inverse. Ça, j'aime pas ce jeu. Enfin, c'est normal que c'est ça, mais. Franchement, faire aller à gauche pour retourner tout à droite, pour retourner tout à gauche, c'est nul. Tu ne touches pas. Trop bidon.
Moi, je crois que c'était le passage. Putain, je suis bête. Je suis bête. Le repère du Rimrosa se trouve sous les grottes de la démence, des ruines sombres et biscornes. Meryn ne pouvait s'empêcher d'avoir le sentiment que quelque chose d'effroyable s'était produit à cet endroit. Bon, pause là parce que je crois qu'on est encore parti dans un putain de délire. Donc pause. Le jeu de l'infini. Je pensais vraiment que j'allais finir plus vite que ça. Je suis deg un petit peu. Bon bref, pause. À tout de suite. Allez, la souris. Ah mais sors du jeu. Mais sors totalement du jeu.